Port-au-Prince. Yo m'a dit tout ça, m'a vinn Port-au-Prince, m'a pas avec peuple moi. Depuis Pétionville, m'a descend Carrefour aéroport, m'a pral sous champ de masse et nous pral mandi, nous pral exiger et n'a prend et ça pour nous faire changement dans pays. Comme sur le plateau central, je fais discussion avec les sécurités. C'est dans la capitale, je vais faire en marche. Je vais sur Pétionville, je vais dans Carrefour Airport et je vais sur champ de masse. Je dis que je vais venir, tout le monde dit y a petit haut. Même des vignes, non. Je dis je vais la Tibonite dans la base, je vais naïve. Oh, y a petit haut, raboto, va bien avec des carreaux, cas soleil. Je vais entrer, tout le monde, mettre tête ensemble et recevoir bien. Dans toute la nuit, je vais aller dans la même même genre. Donc, je vais venir Port-au-Prince. Je vais dire tout ça, je vais venir Port-au-Prince, je vais avec peuple moi. Depuis Pétionville, m'a descend Carrefour aéroport, m'a pral sous champ de masse et nous pral mandi, nous pral exiger et n'a prend et ça pour nous faire changement dans pays. Merci sénateur Guy Philippe, meilleurs vœux, santé et prospérité. Un dernier mot pour la population haïtienne. Moi dis yo que 2024 là, la marque un tournant dans l'histoire pays d'Haïti. 2024 ça nous pas venir Haïti humilié encore. Nous pas venir Haïti à genoux encore. Si moun yo faut qu'yo à l'école, faut qu'yo manger. Faut que nous avons bien bagaille santé pour les gens malades, pour les gens qui ont essayé de faire la vie, pas mourir parce qu'ils n'ont pas de santé, clampsi, tout bagaille à tout. Nous avons besoin d'Haïti côté, nous avons humilié tout partout. États-Unis, Saint-Domingue, France, tout côté dans le Chili, Brésil, tout côté, nous sommes paria. Nous venons tourner paria, on peut tant pour nous, qui faut des lumières pour le monde, nous-mêmes qui démontrer que nous avons assez de monde. Faut que nous ressongions, faut que nous ressouchions, nous, faut que nous connaissions l'histoire, nous. Parce qu'on peut qui va connaître l'histoire. Son pied bois sans racine. Faut que nous connaissons l'histoire, nous. Faut que nous songions ça. Il faut que nous bataillons pour nous rejoindre Haïti ça. Dans le cas où, je suppose, pendant que je pose la question, Guy Philippe Pagé-Cob. Je suppose, je suppose, Guy Philippe Pagé-Cob. Et sous Pagé-Cob, j'ai une popularité à Mounia Peximel, ça arrive ou ça arrive, côté ou voulez arriver. Mais on connaît que chaque fois un candidat Pagé-Cob, à popularité rivée. Même j'ai été fait mouvement en 2004 là, yo prend dans mon net yo écato, mais est-ce qu'on pas prendre dans mon encore. Bon, jusqu'à présent, faut que j'aime dire que je suis candidat. Jusqu'à présent, pas candidat, pour aller. OK, jusqu'à présent on parler d'une révolution. Gardez bien pour moi, m'saute passer Wanamet, m'passe trou du nom, m'passe terrier rouge, m'passe tout côté ça. On va dépenser son good, on va dépenser son pièce. Mm-hmm. C'est monde qui besoin acheter, monde qui besoin l'argent. Et puis si me besoin l'argent, j'ai un pile zami, diaspora okay. Campé red avec moi, mm-hmm. Capable dans diaspora, me dit des amis dans diaspora, besoin aide, y a pour elle. Moi garantie y a pour elle parce que diaspora avec nous, nous unis nous pour nous faire on l'autre Haïti. Donc net qui gagne l'argent, yo quitter avec l'argent, yo net qui a craser briser tout temps. Même et puis c'est même nèg ça yo en 1991 qui t'a fait coup d'état sans sens. Qui te fait sur Aristide là. Laisse ça, nous te gagne bon Aristide là. Avant que Blanc voye Pepe a. Et pour nous. Mm-hmm. Donc, m'bon garanti que moun sa yo ta souhaité jodi à la, pour venir contrôler mouvement, pour essayer de comprendre comment dire, et puis montrer que y a bon l'argent. Moi même pas besoin de l'argent ça yo. Mais là, yo pas bon moun tout. Yo pas bon moun parce que yo connais moi même conviction, pas gen moun qui ka changé. Et puis tout, d'après nous, si yo te vle bay l'argent, que yo bay l'argent, bay peuple l'argent, tout ça nan men yo c'est pour peuple allié. Notamment, ils font bagaille sérieux. Sénateur Guy Philippe. Allô, oui. Oui. Et sénateur, hier, m'a regardé le discours où tu as fait dans mon téléphone, où tu as fait dans quelques villes provinces. Et m'a regardé sur le réseau. Où tu as dit, sénateur, que si ministre et directeur généraux et autres cadres de l'administration publique ou pas démissionné ou marcher prend yo en termes clairs qui ça sénateur Guy Philippe te voulait dire et élaborer pour nous ba nous plus détails ba font il parler plus avec nous est-ce que c'est même genre avec 2004 et l'autre mot dans le même moi dit m'te font constat m'te dit mais qui j'en bail là mais qui j'ai problème insécurité aïe mais qui cause l'on non l'état l'on non pays premier devoir l'état c'est sécurité. Première fois, on met tête ensemble
et pour vivre en communauté, c'est pas souci pour jouer une sécurité contre bête sauvage ou bien sécurité contre l'autre groupe monde qui cap bien attaquer. Donc c'est les qui fondement même en l'état, c'est question sécurité. Comment vous comprendre pour un pays pour l'état d'oul, il pas cap bon sécurité, le lien tout ça même pour le bon sécurité parce que me comprendre comment sécurité fait. L'état haïtien pas besoin aide, nous pas même besoin rien, n'a même aucun pays pour une bail sécurité dans condition que ni jodi à là. Là où ça arrivé. Là où l'état pas veut prendre responsabilité comme ça. Là où tout petit monde ça va pour. Là où on prend deux petits monde dernièrement 25 décembre, qui vous a supposé à fêter Noël, tant petit bagaille Noël, yo assassiné, yo humilié. Là où l'autre petit monde ça, était prendre la machine ensemble avec maman, yo boulé. L'autre de tout ça qu'a fait. Plus que 37 policiers jouent football à tête yo, n'en fait rien ça seulement ou obligé reconnaître que je dis à l'État haïtien pas voulu résoudre le problème insécurité, c'est parce que le premier chef gang, c'est l'État haïtien. C'est l'État haïtien le premier chef gang. C'est ça qui fait que nous n'avons pas bien sécurité. Sécurité, ça, son sécurité que nous avons fait. C'est eux qui fait insécurité, ça. Par exemple, l'autre bagarre encore qui explique que le phénomène ça a marché comme ça, a pris terrain comme ça. Donc, ou même, sous son ministre, il y a un mot de tout, c'est pas bon, et il y a un autre qui dit non, nous voulons prendre responsabilité. Si vous êtes là, il y a servi le gouvernement, ça. Le on joue au mouvement peuple prend et pouvoir. Et il y a point de justice, il y a bien pour venir répondre. Parce que il y a coupable. Il y a un conseil des ministres. Il y a pris toutes les décisions qui viennent dans le pays. Si vous n'avez pas pris une décision et forcé pour le peuple la sécurité, c'est parce que vous même tout, vous faites partie de gang, ça. C'est ça, je vous dis. Bonjour à tous. Ok, nous avons depuis après ou en Haïti, nous avons pris le message de véhiculer à la population. Parce que on va parler de révolution et d'autres choses. Mais nous avons plus de détails de partout dans le pays. Bon, c'est vrai, le monde entré et Barala font un gros impact sur moi. Le monde a qui condition de vivre dans la situation pays. Et même là, je suis au Cap où comment on vit là. Donc, deuxième ville de République là, Baz, Henri, Christophe. Même en bas 20e, je suis en cours, je suis en vie, à faire encore plus jeune. Et Globran, Labou, tout le bagage, pas de respect du tout pour rien. Nous avons encore, peut-être nous à genoux, pays à genoux. Donc, je pense que c'est devoir un citoyen pour lui faire un cri d'alarme pour le peuple là, réveiller, lever, camper, en changer ça. Parce que nous, nous avons changé. Pas de plus grosse force qu'on peut. Si le peuple avait changé, c'est ça que je fais. Tout le bagage, c'est pour me dire, nous sommes. Dernièrement, nous avons fait ça, peuple Sri Lanka a fait. Et pour changer un gouvernement. Ils ont entré, ils ont fait ça pour le peuple là. Sans armes, sans rien, sans violence. Le peuple allait lui faire changement pour être lui. Nous, Porto Rico, dernièrement, il y a un problème avec un gouverneur. Peuple portoricain, Ricky Martinigo, artiste à la tête, il dit monsieur, il faut aller. Donc, je dis à Mbassé, nous vivons à côté. La sécurité a fait ravage. 37 policiers mourus en fin d'année 2023. 37. Il n'y a pas de la terre. Il n'y a aucun côté de sécurité. Il n'y a pas de sortir là au cap ou à voir au prince. Sans qu'on ait un pile risque pour kidnapper n'importe qui côté ou bien ouvrir sur la vie. Donc, nous n'avons pas de pays pour nous dire ça. Premier devoir en l'État, c'est de bailler le peuple de sécurité. Donc, l'État faillit. Parce que ce n'est pas moi qui dis faillit, c'est lui qui dit faillit. Puisque le ministre de justice lui-même dit qu'il y a une zone perdue. Ce n'est pas moi qui dis. Le chef de la police lui-même dit que les policiers ne sont pas entraînés pour combattre gang. Or, moi-même, je connais ces menti. C'est faux. Chargé, unité spécialisée, là qui a fait le travail. Là. Donc, l'armée là, au lieu de l'armée, il peuple la sécurité, il dit blanc va appeler la sécurité, mais l'armée a baillé un citoyen, Ariel Henry, sécurité. L'armée a, même Jean Wayo, crasé l'armée dernièrement parce qu'il était tout dans les outils politiques. Semaine ça, l'armée, ça fait qu'a fait là encore, il est presque tout dans les outils politiques encore parce que ce service, un citoyen l'a fait tandis que le peuple a demandé l'aide chaque jour, il vivait deux bail peuple là. Donc, je pense que c'est pour nous tous citoyens, ensemble avec la police nationale, nous, avec l'armée, qui vous prend et même avec BESAP, pour nous vivre, pour nous voir comment. Donc, la population en sécurité. Et, franchement, son bail qui fait un bagage dormi. Au lieu de vous faire content, mais il fait un bagage dormi. Parce qu'en pile confiance et en pile attente, et pas d'aimer déçu le peuple. Donc, pas fait tout ça, je avec aide haïtiens, jeunes, grand monde, paysans, tout le monde, avec diaspora, pour nous mettre tête nous ensemble, ni haïtiens qui vivent ici, ni haïtiens qui sont dans la diaspora, pour nous voir comment nous avons retiré Haïti dans sa. Nous avons, si nous voulons, nous avons. Pas aucun âme qui vit sans qu'on peut. Pas rien qui a quand mon peuple, le peuple voulait changement. C'est ça que le message moi. Monsieur, entendez-nous. Regardez qui situation peuple. Nous-mêmes nous là, nous avons famille, nous avons petite famille, nous avons maman, nous avons gardé. Là, nous avons gardé. Comment pour nous vivre dans le pays côté on tire. Quelques grains de monde à vivre dans un luxe qui est scandaleux. Tandis que beaucoup de voisins ne peuvent pas manger. Les gens qui travaillent ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas avoir une petite école. Il faut que ça change. C'est ça que nous sommes.
OK. Nous remarquons dans le premier détail ce que fait l'OIV dans le sud. Vous avez dit que si le peuple voulait, la police voulait, BESAP et l'armée voulait, nous avons fait 90 jours, nous avons démantelé toute gang dans le pays. Moi, je dis, je crois dans samedi là, et question insécurité de la population, insécurité fabriquée. Il y a un plan pour faire que troupes étrangères envahissent le pays d'Haïti. Il n'y a rien là qui va résoudre dans le 90 jours. Mais c'est parce qu'il y a un plan. Il y a un plan pour blanc rentrer dans le pays, pour craser la souveraineté, pour protéger le statu quo et pour faire ça. Vous voulez un assassinat au président, vous va vouloir lumière. Faites soit assassinat au président. Vous humiliez le président, vous crasez tête, vous crasez zone. Et puis, trois criminels qui sont M. le président, vous avez braqué, relax, c'est vous qui avez tout pouvoir. Par le parler des présidents, nous connaissons le sentiment, nous connaissons quand c'est supporté par le président Jovenel Moïse dans le campagne. Et pendant que tu es l'autre bois, comment tu apprends l'information? Comment tu es ouais? Avec qui s'est monté ou tu reçois l'information sur l'affaire d'assassiner le président de la Cali? Tant que tout l'Haïtien, ça a fait mal, et le président Moïse, Jean, il est mort. Mais non seulement il va tuer le président, il le tue avec rage. Il a assuré qu'il a humilié, il a fait souffrir. Seulement parce qu'il a osé dire que ça n'est pas bon. Donc c'est ça, la situation, les gens vivent là, des bons nègres essayent d'ouvrir le peuple là. Vous connaissez un secteur qui a toujours campé. Qui vous campé en face et pas quitter sa fête. Mais encore une fois, je pense que le rêve président Jovenel là, toujours qu'à continuer. Nous avons le canal là, nous avons l'autre bagaille qui fait. Et nous avons l'installation électrique qui a essayé de faire dans toute la commune. Nous espérons que nous avons une continuité et tout le travail que nous avons commencé. Comme vous combattez, avec qui vous regardez ou vous entendez, il y a une possibilité pour les soldats qui n'y a pas le sol là. Mm-hmm. Pas oublier que les soldats qui n'y a pas là, dernièrement, de Côte d'Ivoire, ils ont été au-dehors parce qu'ils ont associé à la gang. Et vraiment, dire, c'est pour le pays, pour Côte d'Ivoire, qui mettent au-dehors, c'est parce que les soldats, ils ont fraternisé trop avec la gang. Je veux dire, c'est eux, ils ont voulu pour nous, pour venir combattre la gang. Pendant que nous avons l'armée d'Haïti, nous avons la police nationale d'Haïti, nous avons BESAP, nous avons des citoyens engagés, peut-être qu'ils peuvent faire à l'aise si nous voulons, si nous avons une volonté politique. Donc, nous avons plus que 1500 nègres dans l'armée. Quand il y a 300 nègres gagnants et puis payer 600 millions de dollars. Avec 600 millions de dollars, ça, nous avons équipé la police, équipé l'armée, équipé les SAP, et puis pour nous faire travail de sécurité du peuple, nous-mêmes qui comme pays, puis bien. Mais malheureusement, ce n'est pas plan. Plan, ce n'est pas de gens pour le peuple la sécurité. Plan, c'est de mettre en sécurité, faire nos peurs, et pour qu'il y ait une excuse pour faire intervention faite et occuper le pays, pour continuer à voler tout ce qui est dans le sous-sol, pour nous-mêmes haïtiens, pour nous continuer à vivre dans le crash que nous vivons là. Ok, je veux dire, la peuple qui vit nos misères, est-ce que M. Guy Philippe, avec le peuple à Paris, pour l'évolution, dans tout sens? Révolution n'a pas, il y a un peu de monde, parce que c'est révolution sans, c'est non. On va prendre violence, on va besoin haïtiens à boutir avec haïtiens, haïtiens à tuer haïtiens, nous diviser trop. Quand il y a cette tête, nous pouvons mettre ensemble pour nous sauver la République. Je pense que la révolution a parlé à ses droits pour tout le monde pour aller à l'école, tout le monde pour manger, les droits que nous avons pour nous joindre la santé, les malades, les mesdames nous, enceintes pour nous joindre le centre de santé, droits nous avons pour nous travailler, pour nous vivre avec dignité. C'est ça que la révolution. Pour le monde où les haïtiens ont l'autre genre, trop sacrifice fait, héritage que nous avons quitté pour nous, nous ne pouvons pas quitter un groupe de mercenaires pour Brazil. Quel que soit, je l'ai passé à là. Je ne sais pas pour combien de temps. Quel que soit, ça qu'a décidé. Parce que vous êtes fort, vous êtes puissant. Vous avez éliminé n'importe quoi. Nous avons tué le président Jovenel. Donc, il n'y a pas de tuer ni moi-même, ni moi-même qui parle à là. Mais il faut que le peuple connaisse la bataille là-bas qui a compris. C'est seul gens qui ont privé dans Haïti. Pour finir, vous avez un canal hier, c'est comme vous avez un canal là. Nous souhaitons que nous fassions un pile d'autres canal et c'est droit à nous devons faire quantité de canal. Nous voulons, si nous pensons que c'est le cap et des paysans, qui aident des populations vivent plus bien. Et nous espérons tout que deux pays, Haïti et la République Dominicaine, comprennent que nous sommes même île et nous condamnons pour nous vivre ensemble. Et si nous mettons ensemble, si nous respectons l'autre, respectons la souveraineté de l'autre et le droit de l'autre, je pense que nous avons une grosse force économique dans les Caraïbes. Parce qu'en fin de compte, ça nous a besoin, c'est que le peuple nous vive bien, c'est le travail que nous voulons créer. Et nous avons besoin de touristes rentrer dans le pays. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de créer un emploi pour les jeunes garçons, les jeunes travail. Je pense que la paix, c'est lui qu'on a cherché. Je veux dire, au cap de talent, parce que nous avons un plateau, mais ça nous population. Dieu qui est là, nous comptons sur nous, ancêtres comptent sur nous, l'histoire garde nous. Donc, pas oublier, je dis en 2024, il faut que nous fassions année ça, tourner en tournant dans l'histoire d'Haïti. Tournant dans l'histoire pays ça. Nous ne pas se miser trop. Nous humilions trop. Haïti humilié, Haïti blessé, Haïti à genoux. Année ça, nous avons changé ça. Et nous avons changé ça. Merci, c'est important. Merci.